plein bonheur, le portrait. Oui, voilà, voilà. Bonsoir à tous. C'est le portrait. Vous avez une heure qui nous dit, je ne veux pas faire le portrait. Si, je serais ravi de faire le portrait de Chantal. J'aime bien Chantal, mais c'est pas un exercice de portrait. Alors, aujourd'hui c'est vendredi. Et vendredi c'est qui? Eh ben c'est Lobby. Et si Lobby ne fait pas le moine, Jean-Luc l'a déjà fait avant elle, Lobby fait Chantal, tout simplement. Oui, même si faire Chantal est une expression peu usitée, voire pas du tout, mais que j'usite quand même, parce que je ne suis pas le genre de mec à usiter longtemps avant de me lancer. Bon, on va pas non plus passer trois plombes sur cette intro complètement nulle, même si notre invité le fut elle-même à une époque. Prenez ça comme une sorte d'hommage, et sinon, dommage. Voilà, sans transition, mais avec transistor, hein, ça aide pour l'audience. Permettez que je vous fasse la lecture de quelques courriers de fans, non pas de carottes, mais de vous, cher Chantal. Première lettre donc. Salut les jeunes, et bonjour à Patrice aussi. J'ai entendu dire que vous receviez Chantal Lobby. C'est incroyable, car ça me rappelle une anecdote. Voilà, je vous remercie de m'avoir prêté attention. Suivante. Cher Chantal. Pardonnez ce zozotement passasé, mais j'avais un cheveu sur mon bic. Alors, on doit sûrement vous le demander souvent. Du coup, je ne vous le demanderai pas, mais pourriez-vous quand même y répondre si ce n'est pas trop vous demander? Voilà, dites oui, hein, on s'arrangera au montage. Oui. Chère Madame Chauby, on dit que femme qui rit est à moitié dans son lit, hein, on l'a déjà dit. Du coup, j'ai décidé de montrer l'intégrale de vos œuvres à ma nouvelle copine. Grand bien m'en a pris, car elle est à présent à moitié couchée à mes côtés, en train de disserter à moitié sur l'évolution de l'humour à travers les âges. Tout ceci est à moitié sympa. Auriez-vous donc un conseil pour faire entrer l'autre moitié? Suivante. Bonjour. En écoutant le courrier précédent, j'ai appris que femme qui rit est à moitié dans son lit. Ce qui m'étonne un peu, car la mienne n'arrête pas de chialer. Et pourtant, il y a encore une grosse moitié qui traîne sous la couette. Suivante. Bonjour Chantal. Ou plutôt, bonjour Cantal, comme on dit chez nous en Auvergne. Non. C'est interdit. T'as pas honte? Oh. Je vous écris de la part de mon épouse Suzette, qui a perdu la tête depuis qu'elle a été décapitée par le rétroviseur d'un camion poubelle. Mais faute d'avoir le sens de l'orientation, elle a gardé le sens de l'humour, même si elle ne vous entend pas bien. Oui, on lui a greffé les oreilles sous les bras. Pourriez-vous dès lors parler plus fort? Oui, une belle preuve de courage, je trouve. Suivante. Bonjour, c'est moi Jean-Hervé Villard de Lens. En tant qu'un linguiste amateur et passionné, j'aime faire l'idiome, disséquer les syllabes, éclater les consonnes et casser les voyelles. Bref, j'aime le bruit de mots et cela m'a permis de découvrir que Chantal Lobby n'est pas du tout l'anagramme de Corinne Charby. Satisfait de ce devoir accompli, je tenterai de démontrer que Stéphane Bern n'est pas le palindrome de Chimène Badi, ni Patrice Carmou, celui de Partouz Patriste. Suivante. Salut Chantal, je m'appelle Va Chercher. Je suis épagnol du côté de mon père et breton du côté de ma mère. Mon oncle québécois est né dans le Labrador, dans la province de Terre-Neuve, où il est devenu berger. Au contraire de mon cousin Jack Russell Crowe, qui lui est devenu boxeur dans le Yorkshire. C'est super, j'imagine que vous vous êtes donné un mal de chien à écrire ça, mais on s'en fout en fait. Salut, mes potes me connaissent sous le prénom de Patrick, mais je suis plus connu sous le nom de Patrick Benguigui, et encore plus connu sous le nom de Patrick Bruel. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis chanteur, comédien, champion du monde de poker, de croquet, de Dr Maboul, de croque-monsieur acrobatique depuis 97 et de croque-madame depuis toujours. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Je vous écris depuis la terrasse du Café des Délices et voudrais donc en profiter pour poser une question à madame Lobébé. C'est amusant. Et dernière, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes bien chers oncles, mes bien chères tantes, mais... Oui d'accord, on préviendra le reste de la famille. Oui, c'est bien moi le pape François. Ou Pope Francis pour les catholiques anglophones. Je voudrais profiter de la présence de Sainte Chantal parmi vous pour vous adresser à tous ma bénédiction Lobby et Orbi. Oh. Voilà, je crois que la messe est dite. Bravo. Stéphane Desgrosses.